Ça a été la mission. On est dégoûté. J'adore ce truc. Je sens plus mes lèvres, ça me brûle à l'intérieur. Ça a l'air pas mal du tout. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, comme vous le voyez certainement, il est tard, on est à Bangkok pour une nuit. On est arrivé depuis Sanklaburi aujourd'hui. Ça a été la mission. On était seulement à 330 km. On est parti à 8h ce matin et on est arrivé à plus de 18h à Bangkok. Oui, oui. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on pouvait avoir un bus direct de Sanklaburi à Bangkok. Eh bien non. Donc on a dû prendre un premier bus de Sanklaburi à Kanchanaburi, puis un second bus de Kanchanaburi à Bangkok et enfin un bus de ville pour traverser toute la ville parce qu'il y a différentes stations de bus à Bangkok. Et là forcément on voyageait du côté ouest du pays, donc on est arrivé dans la station de bus qui se trouve côté ouest et là on devait se rendre à la station de bus côté est parce que demain on part en direction de Trat qui est à l'est du pays. J'espère que vous avez suivi. On est seulement à 10 minutes à pied de la station de bus. Donc là notre destination finale c'est Trat. Trat, ville qu'on connaît déjà, qu'on avait déjà visité durant la saison 1 et ville qu'on avait beaucoup appréciée. Donc là on va pas forcément y faire de visite parce qu'on a déjà visité plus ou moins ce qu'il y avait à voir. On avait un scooter, on avait été pas mal dans les alentours, c'était très sympa. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais là, on veut y retourner pour une raison, c'est son night market. C'est pour nous le meilleur night market de Thaïlande. On retourne à Trat spécialement pour ça, entre autres. Il y a aussi d'autres raisons, mais ça, vous le saurez plus tard. Donc demain, on reprend les transports pour faire encore 330 km. On a déjà les tickets de bus, mais là, ce sera un bus direct normalement en 5h30, 6h, on y sera. Donc voilà, encore une grosse journée de transport demain. Et voici la chambre pour une nuit. Donc là, c'est un appartement plutôt, c'est tout équipé avec un lavabo et des ustensiles, grande penderie. Là, on a la salle de bain. Hop. Et par ici, le lit. Télé. Mais ouais, c'est trop bien. C'est petit, mais enfin c'est petit en vrai non, c'est enfin pour un appartement c'est petit, mais pour une chambre c'est nickel. On a même le micro-ondes, grand frigo. Et franchement très très sympathique. Et même un balcon, non? Ouais, mais voilà pas de vue. Mais en revanche on a un rooftop avec une vue. Donc on ira voir ça. Donc là on est dans le quartier riche de Bangkok. Mais c'est quand même plutôt sympa. Je pense que là on s'est fait livrer de la nourriture. On va s'installer juste ici, ça va être très cool. Franchement, ces journées, elles sont tellement, tellement épuisantes. Là, on n'en peut plus, on a juste envie, c'est se poser et dormir. Thank you.
voici enfin arrivé après 6 heures de bus. Alors là, la chambre est dans son jus, mais c'est très propre. Et franchement, c'est sympa. On est dans une sorte de maison en bois. On est directement chez les gens, leur maison, et on est juste en dessous. On a été super bien accueillis. Donc voilà, notre nouvelle chambre pour 2 nuits. Et juste par là, on a la salle de bain. Ah bah, c'est fait maison. Hein. Ah bah oui, c'est un peu rustique, mais bon, ça fait le taf. Hein. Puis on peut prendre le petit déjeuner donc directement ici. On a le menu qui est affiché là, donc on verra ça demain matin. Bon, on part en direction du Night Market. Là, on passe par toutes les petites rues où il y a les guest house. Donc on n'a pas repris le même logement que l'année dernière, alors qu'il était très très bien, même mieux que celui qu'on a actuellement en vérité. Mais tout simplement parce qu'il était un peu excentré. Du coup, on avait besoin d'un scooter hein, si on était là-bas, pour aller au Night Market notamment, et pour notre journée off de demain, la lessive, la salle de sport, tout ça. Et donc on ne voulait pas hein, se galérer à faire les allers-retours scooter. Là au moins on est à côté de tout. Là on a marché 5 minutes, hein, on voit le Night Market qui est au bout de la rue. Il y a beaucoup moins de stands que l'année dernière, là il n'y a personne, c'est vide. On a vu quand on est arrivé, il y avait une quelques pas très loin. Donc ça se trouve, il y a la majorité des stands qui sont là-bas, je ne sais pas. Mais là c'est vide, hein. C'est vraiment vide, on est dégoûté. On est de retour, alors là ça va être route, on est assis par terre, il y a du bazar partout parce qu'on n'a pas assez de place pour mettre nos affaires, mais voilà, c'est ça aussi hein, de loger dans des petites guest house. Donc c'est sûr que c'est plus route que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Là on est limite en train de regretter de ne pas avoir été dans notre ancien logement qui était trop bien et on était tranquille plutôt que d'être ici, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, de nuit ça passe vite. Mais c'est vrai que là en Thaïlande on a pris des trucs un peu plus luxueux, c'est-à-dire qu'on a mis 20€ à la place d'en mettre 12 si vous voulez. Et là pour 20€ en Thaïlande, mais trop bien, c'est hyper propre, c'est spacieux, c'est confortable. Là c'est dans son jus, c'est dans son jus. Bref, Night Market, ben écoutez, hyper décevant. Il y avait limite 2 fois moins de stands que l'année dernière. Alors je sais pas si c'est à cause de la fête foraine ou pas. On verra demain s'il y a plus de monde, ou peut-être parce qu'on est dimanche, mais normalement ça ne change rien. Donc ouais, c'est peut-être vrai ça. Dimanche, des fois, les Thaïs, ils vont pas sur les Night Markets, ils ferment leurs stands. Possible aussi, hein. Mais ouais, on était déçus. Mais bon, bah c'est pas grave. Écoutez, ça peut pas marcher à tous les coups. Donc là, on a commencé un plat comme ça, avec du riz jaune, donc c'est goût curry un peu le riz, et du poulet, tout simple. C'est ça coûte 35 bahts la petite boîte comme ça, donc on va goûter. Mais bon, ça on connaît, normalement il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Ça va. Je l'aime bien ce riz-là normalement. Ouais, je pense que tu vas bien aimer toi. Oh, il est bon ce riz-là. C'est correct, c'est même bon. Là, c'est pas trop épicé, mais il y a quand même des épices. C'est pas des épices, c'est on sent le curry, quoi, tout simplement. T'as pas enlevé la peau? Non, ça se mange la peau, non? Bon, elle est pas très bonne, là. Ouais. Très bien. Ça fait l'affaire, hein. Simple, efficace. Après, voilà, vous allez voir, on a vraiment rien pris de dingue parce qu'il y avait vraiment pas grand chose. Alors que l'année dernière, mais il y avait un choix, mais on arrivait du Cambodge, on débarquait en Thaïlande sur ce Night Market, mais on était tellement, tellement contents. Et là, bah, un peu la déception. Il y avait beaucoup de trucs nouveaux. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, on connaissait déjà très bien la Thaïlande. C'était le 3e mois qu'on y passait, 4e pour moi. Et ouais, c'est vrai qu'on avait découvert plein de nouvelles choses. Et là, bah, rien de particulier, quoi. Bon, on se plaint pas, hein. Il y avait à manger, les night markets, ça reste trop bien en Thaïlande. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que par rapport à l'expérience qu'on a eue l'année dernière... Ah, là, t'avais pas trop de choix. On était déçus. Non, il n'y avait pas trop de choix. C'était que des choses qu'on connaissait. On n'a pas pu faire de test. Les gaufres, là, l'année dernière, je m'en rappelle. Ça m'avait marqué, c'était une dinguerie. Et on termine avec le dessert Mango Sticky Rice. Je l'ai présenté maintes et maintes fois. J'adore ce truc.
C'est du riz collant avec de la mangue et par-dessus, on met du lait concentré et c'est une dinguerie sans nom, ça. Lait concentré sucré. Oui, lait concentré sucré, parce que ça peut être ne pas sucré le lait concentré. Bah oui. Et donc ça coûte 40 bahts. Il y a vraiment beaucoup de mangue. D'habitude, c'est l'inverse, il y a plus de riz et moins de mangue. Il y a mis une mangue entière. Il n'est pas trop sucré le riz concentré. Le riz, il est trop bon. Il est vraiment sticky à souhait comme il faut. Ah, j'adore. Sticky, du coup, c'est du riz collant. Mmh. Non. Sticky en anglais, c'est collant. Ah. Tu veux goûter? Oula. Elle est bon, lui. Il est bon. La mangue, elle manque un petit peu de sucre, mais c'est bien. Oh là là. Ah non, là, vraiment, j'en ai mangé des bien pires. En fait, elle goûte tout sans sucre. C'est très réussi. Elle goûte tout sans sucre, ouais. Et dernière petite douceur, ceci. Ça coûte seulement 10 bahts. Je sais pas trop ce que c'est, il y a des cacahuètes et du chocolat. On va voir. Là, pour le coup, c'est un vrai test. J'ai jamais mangé encore un truc comme mais ça. Mais ça, c'est un truc fait maison, 100%. Ouais, je pense, mais... Oh, si, si. Oh, c'est un... Comment dire? C'est une sorte de moelleux au chocolat en dessous. Muffin? Ouais. Oh là là, j'ai fait ça n'importe comment. C'est pas marrant. T'as laissé la moitié du truc dans le truc. Ça crevait. Je pense que c'est fait maison, hein. C'est sympa. Les différentes textures, c'est un peu perturbant. Sur le dessus, c'est vraiment du croquant, surtout en plus avec les cacahuètes. Et en dessous, c'est vraiment moelleux. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Oh non! Attends, mais partout, ça, c'est la. Ah bah, elle est bête. Bon, ce midi, c'est pad thai à la l'abri. Voilà, voilà. Vous voulez la réalité? La réalité, c'est que je ne peux pas manger plus. C'est 10 fois trop épicé pour moi. Je sens plus mes lèvres, ça me brûle à l'intérieur. Genre, waouh. C'est rare hein, que ce soit épicé hein, le pad thai, mais là, elle s'est lâchée. Ça me démontre. Yeah.
Voilà nos trouvailles, on est trop contents, tous les stands étaient de retour comme avant. D'ailleurs on a pris des choses hein, qu'on avait déjà testées, des choses aussi nouvelles et des choses d'ailleurs qu'on a trouvées qu'ici les gars. Alors que je peux vous dire, on en a fait des night market. Je vais vous présenter tout ça. J'espère que vous apprécierez l'effort. On a foutu le bordel dans la chambre pour pouvoir s'installer tranquillement sur le canapé, avoir une bonne lumière, pas avoir du bordel partout. Donc voilà, là c'est... vous voyez pas derrière mais c'est... partout, mais au moins on est beaucoup mieux installé qu'hier, c'est beaucoup mieux que d'être par terre. C'est parti, j'ai trop hâte de tester. Alors je vous présente ceci. Alors comme ça, ça a pas l'air ouf, mais je vous assure c'est très très bon. On l'a déjà testé celui-ci, d'ailleurs on le trouve qu'ici. Donc en fait, tout simple, c'est un chou, une sorte de rouleau de printemps hein. Sauf que là, à la place d'avoir la feuille de riz, c'est du chou autour, et à l'intérieur il y a des vermicelles, des petits légumes et une sauce épicée. Ça c'est vraiment trop trop bon, on va retester, mais on avait adoré ce truc là. Oui oui oui, trop contente de retrouver ça. Je sais pas pourquoi c'est pas fait ailleurs hein, en Thaïlande. C'est vraiment le seul endroit où on l'a vu, et j'ai oublié de préciser, c'est cuit à la vapeur. Oh, c'était trop bon. Même les goûts et tout, il y a un peu d'épices mais pas trop, genre c'est parfait. Les textures aussi, t'as un peu de croquant avec la carotte. Enfin, c'est une dinguerie. Ouais. Ah, ça commence fort. Deuxième truc. Alors ça, on n'a pas testé sur ce marché. C'était ravioles au poulet, tout simple. Ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, ça sent bon. Il y en avait des pleins, il y en avait beaucoup aux fruits de mer, crevettes, etc. Et là, c'était poulet. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on paye un peu plus cher. Non, et tous les prix, c'était ça. Ah ouais. Okay. Donc on a mis la sauce qui était servie directement avec les ravioles là-dedans. Ça sent très très fort le vinaigre, la sauce. Donc là, je suis pas trop sûre de mon goût. Non, mais faut en goûter une sans et une avec. Ouais, je vais tester d'abord sans, je pense. Oh, waouh, il y a des petits légumes, c'est sympa, il y a beaucoup de saveurs là-dedans, c'est pas fade du tout avec les légumes et tout, je trouve ça bon, on va voir avec la sauce. C'est une des meilleures ravioles qu'on ait mangées pas fraîches. Enfin, pas fraîche, pas cuit, pas direct sorti du... Bah tu vois, je trouve que ça se marie très bien avec la sauce vinaigre. Bah de toute façon, en général... Ils savent avoir les bons assortiments à faire. Ça se marie vraiment bien, goûte avec, c'est vachement bon. Ah non, les ravioles, elles sont vraiment très très bonnes. Hein. Ouais. T'as tout trempé. Ouais. Oui, des morceaux dedans. Elle est un peu pimentée. Non. Ah ouais. Mais non, c'est bon avec. Je préfère avec que sans, tu vois, au final. Comme quoi. Non sauce, mais en général quand t'as une sauce Ouais elle était pas très inspirante hein, mais ouais ça faisait l'office de l'entrée. Maintenant on passe au plat de résistance. Donc ça c'est un monsieur, il a pris exactement la même chose qu'hier, et moi j'ai pris un risque. J'ai pris un truc que j'ai encore jamais testé. Alors j'en ai mangé dans ce style, mais c'était pas fourré pareil exactement à l'intérieur. Là il l'enveloppe hein, dans une feuille de bananier, ça c'est hyper pratique, ça évite le plastique, même si on nous donne une petite coupelle de plastique quand même avec, mais voilà. C'est la Thaïlande, vous pouvez chercher à comprendre. Alors, de ce qu'ils m'ont dit... Ah, il y a des pousses de soja aussi. Pousses de soja, et apparemment, il y a de la pâte de coco, sauf que la pâte de coco est très rouge.
De la pâte donc, de fin, je sais pas comment on peut appeler ça. Elle m'a dit coconut, hein. Mais oui, c'est de la coco un peu compacte. Mais ça fait penser un peu à un pas de taille dedans, non? Ah non, pas du tout. J'ai surtout peur que ce soit épicé parce que les épices après mon plat de ce midi, le pas de taille, non, non, je peux plus là. Je sais pas, ça s'appelle quoi d'autre, quoi. Non, c'est pas épicé. Toi, tu vas pas aimer, parce que c'est mélange sucre salé. On n'a pas l'habitude d'avoir un goût de coco. En fait, le goût de coco est pas très fort. Ouais, c'est vraiment de la coco dedans. Non, on l'avait jamais mangé. Les pousses de soja l'emportent vraiment sur la coco. Donc en vrai, ça va. Moi, j'aime bien les mélanges farfelus sucré salé comme ça. Donc moi, ça me plaît. Après, franchement, je pense que c'est vraiment pas au goût de tout le monde. Mais c'est pas épicé, par contre. Ça se mange bien. Ah si, on sent quand même vachement la coco. Tu veux goûter le truc farfelu? Vas-y. Tu vas me dire c'est pas dégueulasse, tu vas voir. C'est bizarre, hein. C'est moins pire que ce que tu crois. Ouais, ça va. Bah oui. Oui, mais c'est pas salé. Non, l'omelette est pas salée. Vu que les haricots mango c'est neutre et l'omelette ouais. Elle est neutre. Mais c'est pareil, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. On passe au dessert. On a pris des gaufres. Alors là, c'est tout simple. Il n'y a pas de fourrage, il n'y a rien. Mais voilà, ça nous a inspiré. On sait que quand on y avait été l'année dernière, il y avait un stand de gaufres. Je vous en ai parlé déjà. Avec une épaisseur, du fourrage à l'intérieur. Oh là là. Oh, il y en a beaucoup en Thaïlande. Celle-ci. Mais ça, oui, on peut en retrouver hein, quand même dans pas mal d'endroits en Thaïlande. Mais là, dès comme ça, c'est vrai que c'est plus simple, c'est tout fin, c'est mignon. On se dit, allez, pourquoi pas. Puis c'est fait à l'ancienne. Elle n'a pas un gaufrier, c'est un gaufrier avec charbon. Chaud, ça doit être trop bon. Ah, c'est bon. Bah, c'est simple et efficace. Ouais, c'est très simple, mais c'est bon. Elle est fondante à l'intérieur. J'aime bien la texture. Pourtant, et fondant. Ça fait cornet de glace, mais fraîchement fait. Tu sais, quand il est fond, la pâte, et après, tu sais, il met autour d'un cône, et après, ça sèche. Mm. Et là, c'est un peu ça. Mais en plus épais, du coup, c'est trop bon. Mm. Ouais, très sympa, ça aussi. Pas trop gras. Non. Pas bourratif. Non. Tu vas en donner, je vais bouffer. Hein. Ouais. Peut-être que je vais garder la fin pour finir avec ça. Ça passe très bien. Parce que là, on finit avec le dernier dessert. Mais ce dernier dessert, on l'a déjà pris dans ce même night market. Et pareil, c'est un truc qu'on a trouvé ici. Et voilà, ça s'appelle roti, toujours à la crêpe thaï. Au padan. Donc padan, c'est un tubercule qu'on trouve partout en Asie, hein, qui a une couleur verte comme ça. Un petit goût sucré sympa. On a pris tout simple là du coup. Il n'y a pas de fourrage à l'intérieur. On a juste mis un peu de lait concentré sur le dessus et légèrement saupoudré de sucre. Et un œuf. Hein. Et un œuf, oui, à l'intérieur. C'est vrai que le rôti s'est fait avec un œuf. J'ai oublié de le préciser. C'est vraiment un des meilleurs rôtis qu'on ait mangé. Hein. Par contre, on aurait peut-être pu s'abstenir de la saupoudre de sucre. Elle n'a vraiment pas mis beaucoup. Je sais, mais c'est déjà à balle sucrée. Vraiment, là, il est... C'est sucré, quoi. Elle est concentrée sucrée, ouais. Puis padan, c'est un goût sucré, quand même. Oh, je pense pas que la pâte soit sucrée, hein. Tiens, parce que là, je suis partie pour manger. Et oui, on a aussi ça. C'est ce qu'on a pris hier, les beignets et le petit moelleux avec la croûte croustillante sur le dessus. Mais voilà, ça ce sera pour demain en snack parce que là, je crois qu'on a assez mangé pour ce soir. Il est bien plus tard, je suis en plein montage et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé la conclusion. Donc pour conclure rapidement les gars, très très contente d'avoir fait un stop ici, rien que pour le marché, franchement ça en vaut le coup. On a eu peur hein, hier, mais au final, c'est bon, il existe toujours. Pour nous, c'est vraiment le meilleur night market de Thaïlande et de loin. Après, on n'a pas testé toutes les night markets du pays,
Mais pour nous, celui-ci est vraiment, vraiment au-dessus. Énormément de choix. Tout est trop bon. Les tailles sont vraiment trop sympas. Là, on a fait des plans, on les a filmés. C'était vraiment bon enfant. Ils étaient contents qu'on les filme, qu'on filme leur nourriture. Enfin, vraiment, c'était vraiment trop cool comme moment. Surtout que, on avait besoin de s'arrêter à Trat également pour aller à notre prochaine destination. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. Ça nous a arrangé bien, on va dire, de s'arrêter à nouveau ici, mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.